Wombo, sortez, venez vous m'écouter. Ndoulou Mlema sort de son silence et dit qu'Omprisson n'a jamais aimé et apprécié la reine galloise depuis qu'elle s'est lancée dans l'humanité. Et elle dit qu'elle a les preuves, elle a les voices de Omprisson, comme quoi Omprisson même refuse de cotiser ou alors de contribuer dans une cagnotte de la reine galloise. En même temps aussi, elle tacle Veuve Joyeuse d'arrêter d'insulter Guylain Chapuis. Elle cadre aussi l'abbé Samé, que donc voilà sa part d'États-Unis comme ça là. Que d'ailleurs va passer toute sa vie à clasher en tout cas la famille. Écoutez vous-même. Dans la veuve, il y a Tata Guylaine, Tata Guigui, qui avait des petits soucis. Tu voulais que les gens viennent dans ton mandat. Il y a eu les gens qui ont du mal à cotiser. Mais Tata Guigui, elle a pris 100 euros. Elle t'a envoyé, la veuve. Tata Guylaine a pris 100 euros. Elle t'a envoyé, la veuve. Maintenant, tu t'en prends à Tata Guylaine par rapport à quoi? Je n'ai pas mis la veuve. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a prononcé? Non. Elle t'a insulté? Non. Tu achètes l'affaire de qui en fait? Le problème de qui que tu achètes de Gringa? Qu'est-ce que Tata Guylaine t'a fait? Vrai, vrai. Tu as demandé ici que Tata, tu as dit Tata Lolo. Oh, Tata Lolo. Oh, Chantal ici m'a envoyé 300 euros. Chantal ici m'a envoyé 300 euros. Rembourse pas mon argent. Rembourse pas mon argent. C'est vous les affamés. Mais vous allez quand même avoir le culot de manquer de respect aux gens. C'est toi qui te fâches toujours ici là que. On demande. Oh, tu demandes. Oh, vous ne me donnez jamais rien. Vous ne me donnez jamais rien. Vous ne me donnez jamais rien. Mais voilà une personne qui te donne quelque chose. Voilà que tu es posé sur elle. Kunagero, aide-moi. Kunagero, aide-moi. Tata Guylaine, maintenant, prends 100 euros et t'envoie. Voilà le remerciement de ça. Hein? Le père me sent. Du jour au lendemain, tu descends sur eux. Tu descends sur eux. Tu jettes le bouquet de fleurs. Tu casses le bouquet de cimetière. Oh, comme quoi tu as dépensé pour eux. Est-ce qu'ils t'ont cité ce qu'ils ont dépensé pour toi? Ouais, la veuve. Change même un peu, non? Change même un peu. Tu as le droit de supporter qui tu veux sur la toit. C'est ton droit. C'est ton bloc. Personne ne va rien te dire. Tu sabotes, maintenant tu sabotes le gagne-pain de ma faux. Ne partez pas la soirée, c'est monté, c'est descendu. Ma mère, si tu ne pars pas, laisse les autres partir, non? Laisse les autres partir, c'est les aigres là, t'es arrivé à quel moment? Ça te dégrade, et quand tu te lâches, mais comment tu te dégrades? Parce que tu as tellement la haine en toi, la haine, la jalousie, on sait que quand tu as une personne, tu es possessif. Je sais que quand tu as un ami ou une amie, tu n'es pas partagé. Mais ne montre pas ça devant tout le monde. Ne montre pas, tu as le numéro de Tata Lolo, tu as le numéro de Flore. On vous a vu la dernière fois chez René Star. Vous étiez tous des amis. Vous tous vous embrassez. Tout le monde a aimé la paix. Mais toi, comme tu insistes avec ton histoire de zéro paix. Ce normal, c'est ton droit. Mais la veuve, qu'on la paix aux gens. Sois avec Gringa, il n'y a pas de problème. Supporte Gringa, il n'y a pas de problème. Mais laisse Tata Guylaine tranquille. Elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien fait présenter. Depuis que tu as suivi la mafola, elle te répond. Depuis que tu la sabola, elle te répond. Bonjour la lionne. Depuis là, est-ce qu'elle te répond? Je ne comprends pas. Tu places les gens qui ne te répondent pas. Tu places les gens qui ne te répondent pas. Tu m'as dit, attends, maman Guylaine a tellement de choses à faire avec Gringa. Tu m'as dit qu'elle va s'occuper de toi. Est-ce que tu vaux? Non, la veuve, parlons peu. Est-ce que tu vaux? Tata Guylaine Chapuis. Est-ce que tu la vaux? C'est toujours Facebook là. Pas de remords. Je peux comprendre que tu fuis le. Tu fuis le cœur. Je peux comprendre ça. Mais t'as pas là, c'est le grand frère. Pourquoi tu t'arrives pas à te souvenir des 100 euros qu'elle t'a donné? Quand tu as le besoin, laisse Gringa. Merci Blandine pour tes cœurs. Laisse Gringa. Va avec Gringa. Embrasse même Gringa, va chez elle. Tu as oublié une chose. C'est que Gringa a dit. Gringa a dit qu'elle ne peut jamais te pardonner parce que tu l'avais traité de stérile. Il l'oblige. Elle est très rancunière, Gringa. Apparemment, tu ne connais pas l'individu. Tu ne la connais pas. Gringa est très rancunière. Et ne crois pas qu'en donnant tous les éloges que tu fais là, en donnant tout ce que tu fais là, elle n'en a rien à cirer en fait. Sans raison. Tu clashes parce que tu as envie de clasher. Quand tu finis à fumer ton cuir, tu finis pour toi là-bas. Si tu veux, tu me clashes. Boumkena, laisse la reine galloise tranquille. Boumkena, je dis, laisse la reine galloise tranquille. Et arrête de comparer avec l'incomparable. D'accord? Arrête de comparer l'incomparable. Quand tu veux saboter quelqu'un, sabote en vrai. Mais ne viens pas faire la manipulation. J'ai fait exprès d'arrêter l'endroit où tu as dit que Gringa a aidé la reine galloise, mais la reine galloise ne l'a pas rendu la pareille. Chut! Là, moi, c'est son maigre corps. La tête est incapable de te cotiser 2000 euros comme ma foi dit. Cotiser pour cette fille. Enlève-la dans la merde, mais il y a toutes les clochettes. Clochette dans tes oreilles. Est-ce que c'est fini? Les clochettes sont toujours dans tes oreilles, là, non? Ta fille t'appelle, laisse-moi travailler! Pourquoi? Oh, ta fille te laisse travailler, tu travailles quoi? Fais-nous le travail. Vous, grand-mère, allez faire une formation, fais-nous le travail. Tu mets ta fille de côté carrément que je travaille. Non, elle a dit! À quel moment, Gringa a dit ce qu'elle a dans son pépale? Laisse la reine galloise tranquillement. Là, on a une chômeuse ambulance. Une personne qui n'a rien à faire de sa journée. Toute ta vie, tu suis exactement Gringa. Tu pars au salon, tu prends tes orteils de 100 mètres de 85 ans là. La mère Grolo a donné 5 000 euros. Au moins, même si elle mange, au moins elle aurait dit.
Vous m'en criez parce que c'est que tu es là. Vous n'êtes pas à l'escrochette. Quand elle, on l'envoie l'argent, elle dit ce qu'on lui a envoyé. Quand c'est des gros donateurs, elle le dit. Même ses manches, mais elle le dit. Mais Glenga, on connaît quoi sur Glenga? On connaît quoi sur Glenga? Ce n'est pas moi qui faisais son coup d'ici là, qui disait qu'elle est pour Cameroun, moi de mer. Je viens de manquer la traçabilité. Viens de manquer la traçabilité. Viens de manquer la traçabilité. Glenga n'a jamais dit ce qui était là-dedans dans le PayPal. Comment tu vois le pasteur supérieur? Le pasteur Zani, le pasteur là, le pasteur en place. Le pasteur est là. Merci à toi aussi. Bon après-midi, pasteur. Hein? Viens nous montrer aussi. Quand Glenga nous montre la traçabilité, elle nous montre. Chose qu'elle n'a jamais faite. Mais la reine Galos, au moins, elle montre. Quand elle rentre de l'Angleterre, elle fait des petits boulots. Elle dit que si c'est que les gens ne viennent pas du droit, je prends de mes enfants qui venaient avec le nom de Pellière dans ta page. Ce n'est jamais Glenga. Parce que Glenga, jamais c'était. Même en peinture. Oui. Elle ne t'a jamais supporté. Parce que c'est une tribale. D'où tu n'as jamais été dans sa page. Boum, quand tu as écouté. C'est moi. La reine galloise, tu partais avec le nom, elle chancelait compresseur dans ta page où tu as présenté ton petit fils comme quoi Glenga aime ton fils. J'envoyais les cœurs, je répondais, c'était jamais Glenga. Glenga, tant qu'elle dormit, où tu es venu en plein direct, si elle n'était pas venue à cette tirée-là, la reine galloise, tu n'aurais pas donné 200 euros ce jour-là. Tu n'aurais pas donné 200 euros ce jour-là. C'est grâce à moi que tu viens le direct. 200 euros devant tout le monde. Devant tout le monde. C'est pas parce que je suis venu dans tes directs. Oh, tu étais content. Tu dansais. Oh, merci, oh, maman Pépé, oh, dans mon direct, maman Pépé. Et tu n'as vu un jour là tes directs. Tu n'as jamais vu là tes directs. Mais quand il fallait faire les œuvres humanitaires, je partais les tirer de tout le monde. Même les toits libyennes. C'est grâce à moi que les toits libyennes ont mis. C'est grâce à moi que les toits libyennes ont mis le poste comme quoi ma bébé en train de faire les œuvres humanitaires. C'est encore dans sa page. C'est moi qui prospectais dans les pages des gens quand tu faisais des œuvres humanitaires. Bah. Boum. Kena, tu n'es pas au courant. Je vous signale ici que j'étais la générale de compresseur et sa ex-copine. Après elle, c'est moi qui prenais la décision. Après elle, je ne parle pas de la baisse, amie. Je parle qu'après elle, c'était moi. Tu comprends? Parce que. Tu sais très bien, hein? J'étais là. Mais c'est pas mieux de vérité. Tu comprends? J'étais là. Ce n'est pas que. Bien, tu comprends? Oui. Même les histoires de 2 plus 3, 23. Tu comprends? Oui. Moi, je suis au courant. Je savais que c'est toi qui faisais le travail. Tu comprends? Oui. C'est toi qui faisais le travail. Et nous voyons très bien que, avec le travail que tu faisais, les gens croyaient peut-être que c'est Mangdiata qui est à l'origine et on venait faire les gens. Et tu comprends? Moi, j'étais là parce que, oui, j'étais premier ministre là-bas là, au Canada, mais les gens que je soutenais plus, c'était vous. Tu comprends? Oui. Et voilà. Et si j'avais retourné ma veste, c'est par rapport à Mangdiata, tu comprends? Oui. Voilà, parce que Mangdiata, c'est une hypocrite. Quand tu vois une personne, quand tu vois une personne qui vient, elle ne se mélange pas. Elle c'est quoi toute permise, tu comprends? Oui. Voilà. Alors que tu étais là, il disait toujours, mais Mangdiata écrit français même plus que Baladji, Anouama. Tu comprends? Non, mais moi, j'ai toujours dit, et tu sais très bien, à un moment, on voulait même que tu me bloques, mais tu ne me bloquais pas. Jamais. Parce que il y avait cette Lisette Akoudoula et Nancy. Vous savez que je vous soutenais beaucoup. J'ai passé le temps à vous dire que, mais ouais, avec tout le boulot que vous abattez là, hein, mais c'est elle ne vous calcule pas. Boum, qu'elle est arrivée hier, elle s'est fait fabriquer devant vos yeux. Tu comprends? Et moi, je savais que ça allait pourrir. Ouais. Je savais que ça allait pourrir, tu comprends? Mm-hmm. Parce que toi aussi, tu ne pouvais pas accepter que quoi? Toi qui étais en train de framponner, Nancy qui framponnait, tu comprends? Mm-hmm. Akoudou. Mais elle ne vous mettait pas comme elle mettait Isakam. Ou alors elle avait compris que vous ne pouviez pas jouer, vous avez peut-être que des cœurs saines. Hein? Voilà. Et elle a vu que oui, Isaac a macassé la bête noire. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis monté, confirmer tout ce que tu es en train de raconter. Je sais que bien partout, je voyais le profil. Mais tu comprends? De Mangdiata, c'est toi qui écrivais. Étant donné que nous savons très bien 2 plus 3, 23. Exactement. C'est pas elle qui peut écrire ce français-là. Je savais que c'est toi. Voilà. C'est tout juste pour venir confirmer, voilà. T'es dit, parce que j'étais là, okay. Je voyais tout. Merci. Voilà. Merci. Parce que les gens me disent que dis tout, vomis tout. Je ne peux pas vomir tout parce que vous avez dit que pour faire le direct sur Glenga, il faut que je me souvienne. On a fait 8 ans. Pourquoi je ne sais pas comment vous prenez ça. Je ne sais pas comment vous arrivez à percuter ce que je vous dis. Il y a les fragments de choses qui me viennent. Celui qui tombe dans un direct, tu dis que waouh, comme exactement ce que Boumkena a fait hier. Alors ça m'a rappelé tout en fait. Nous, je dis qu'il faut que je lance le direct aujourd'hui. Nous, je te lance au direct. Boumkena avait écouté. Je sais que tu es là-dedans. Est-ce que tu es là, tu m'écoutes, tu me vois très bien. Tous les pages que tu voyais sur là, elles chancelaient dehors. C'est moi qui écrivais. Elle commentait. Je bloquais les têtes rouges. Je lui rendais compte. Où elle me pleure. Elle me pleure. Parce que moi, je lisais tous les commentaires et je lui disais de résumer ces commentaires-là. Elle a dit qu'elle va t'envoyer l'argent. Elle a dit qu'elle va t'envoyer l'argent. Je me mettais pique une secrétaire, mon Dieu. Ça n'a pas fait le boulot que j'ai fait cela. Et pour revenir sur Glenga, mon partenaire de crime, comme je l'ai toujours appelé auparavant, mon partenaire de crime, je glisse un peu sur toi, mon partenaire de crime. Dieu t'a donné la possibilité de monter en Europe. Où tu es là-bas, et c'est que tu me suis. Parce que moi, je te suis. Dieu t'a donné la possibilité de monter où tu es là-bas aux États-Unis. On rend grâce à Dieu. Et je suis fier, parce que toi et moi, on parlait de ça beaucoup, quand on se parlait encore. On parlait beaucoup de ça. Mais j'ai l'impression que, comme tu as trouvé le wifi gratuit,
Et je veux que tu t'en sers comme ça se doit. Je répète encore, comme tu as vu le wifi gratuit, et tu t'en sers proprement, et ça se voit. Parce que depuis que tu es arrivé, mon partenaire de crime, ex-partenaire de crime, maman, c'est comment non, mon père? Tu peux faire autre chose? Tu ne cherches même pas à t'adapter? Tu ne cherches même pas à t'intégrer? Fais-moi même 6 mois sans faire de tirettes. Fais même 6 mois sans faire. Il déclenche pas. Maman, si tu me laves, oh. Tu me connais dans mon partenaire de crime, mais tu l'as quand même lavé. Oh. Je ne veux pas te répondre, maman. Mon père, comme tu es une femme, tu es noble, je ne veux pas te répondre. Mais mon père, fais-moi te dire la vérité. Et je sais que tu es quelqu'un de réfléchi. Tu as eu la chance de monter en Europe. Tes parents ne vivent plus. Tes parents ne vivent plus. Pense à ta personne. Depuis que tu es allé en Amérique, je comprends que le wifi est gratuit. J'insiste sur ça. Parce qu'à la lune où tu fais les directs, on sent que tu n'es plus au Maroc. On sent que tu n'es plus au Maroc. Et je vais te dire que ta gouverne, le Maroc te couvrait. Le Maroc te couvrait, mon partenaire de crime. Le Maroc te couvrait. Maintenant, tu es aux États-Unis là-bas. Tu es fragile. Si tu ne vas pas te dire la vérité, moi je te le dis. Les États-Unis où tu es parti là, tu es fragile. J'ai entendu dire qu'on ne peut pas t'atteindre le côté administratif. On ne peut pas t'atteindre le côté administration ou administratif. On ne peut pas t'atteindre. Ne dis pas ça. Partenaire de crime, ne dis pas ça. Tu es au Maroc là-bas, tu es encore en sécurité. Tu es encore caché. Mais là-bas, là, tu es vulnérable au point où tu peux pas imaginer. C'est un conseil qu'il te donne. Maintenant, si tu me clashes, parce que tu es qu'à s'attendre que ça. Il ne t'a pas insulté, tu ne t'as pas manqué de respect. Profite de cette occasion-là pour t'intégrer. Profite de cette occasion-là pour faire une formation. Ou je ne sais pas, les gens qui t'ont amené là-bas, là, s'ils peuvent t'aider, je ne sais pas, fais quelque chose, apprends même peut-être ton quartier, apprends même peut-être les routes, je ne sais pas. Mais depuis que je suis parti, mon partenaire de crime, tu n'as eu aucun répit. Tu dirais, tu peux pas, tu fais le direct, tu manges, tu fais le direct, chose que tu ne fais jamais au Maroc. Tu crois que c'est là-bas que tu es en sécurité? Je te dis non. C'est là-bas que tu es plus vulnérable. Et tu le dis. Si quelqu'un ne te le dit pas, c'est là-bas que tu es plus vulnérable. Vulnérable où tu es là-bas. C'est juste les conseils. Hein. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Parce que je te vois sur ta glène à fond. Ou c'est l'ennui. Ou c'est toujours pour aider Gringao. Je ne comprends pas ton but en fait. Tu pouvais faire vivre ignorer ta glène. Je trouve que tu as mieux à faire là-bas aux États-Unis. Je trouve que tu as beaucoup de choses à faire là-bas aux États-Unis. Double alors, tu enchaînes les directs. Moi, il n'y a rien compris à mon partenaire de crime. Maman, tu t'ennuies à quel niveau? Tata Glenn t'a fait quoi? Pour ta gouverne, c'est le TKU. Tata Glenn a fait son poste. Bonjour, Tata Glenn, bonjour Yvonne. Tata Glenn a fait son poste. C'est le TKU qui sont allés insulter Tata Glenn dans son poste. Mon partenaire de crime, tu es au courant de ça? Hein? C'est le TKU hein, qui sont allés insulter Tata Glenn dans son poste. Voilà. D'où Tata Glenn est venu parler. Mais vous avez pris ça pour vous. Comme vous, la team, vous ennuyez, vous avez pris, vous avez commencé à la caricaturer. Caricaturer. Qu'est-ce qu'elle a vraiment dit? Le repassage, c'est nouveau, ça, c'est nouveau pour vous. On disait que vous manquez de sujet. On disait que vous manquez de quoi dire. On disait que vous attendez seulement qu'il y a un petit peu. Vous agrippez. Il y a un petit peu. Vous agrippez. J'ai la reine galloise. C'est moi, quand tu faisais ta campagne pour tes humanitaires, c'est moi qui partage tes pages. Vois, parlez aux blogueuses. C'est moi qui partage ta page. C'est jamais toi. Tu n'as jamais fait aucun boulot. Je mets aucun boulot. Et si les toits qui viennent se souviennent, c'est moi qui partage ta page. Chez les toits qui viennent, tu ne pars chez personne, Gringa. Tu pars guetter en faux profil. Comment tu vas l'ouragan? Tu pars en faux profil pour guetter. J'ai dit que Gringa, tu pars en faux profil pour voir tes consoeurs. Quand tu veux voir ce que m'a faut faire, tu as un faux profil. Quand tu veux voir ce que tu as fait, tu as un faux profil. Tu as oublié où je t'envoie les directs. Tu as oublié que tu t'envoies les directs à WhatsApp pour que tu ailles voir ton faux profil. La Gringa, elle dansait comme tu t'es le dire. Elle dansait. La Gringa, elle te contente comment? Chanter, alors que c'est moi qui chante. Moi, tu m'as content, moi, danser. Alors que toi, tu étais couché. Comment la reine galloise est venue mettre 200 euros. Elle mettait dans un direct d'ailleurs. Tout le monde connaît que tu parles dans le direct avec Maléba Perpétue. Tout le monde le sait. Mais pas avec elle chancelière. C'était moi qui parlais avec elle chancelière. Les toits qui viennent peuvent s'en souvenir. La reine galloise peut s'en souvenir. Je ne mens pas. Elle avait dit que son argent. Quand tu es parti au Cameroun pour les œuvres humanitaires, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit avant que tu es venu me clasher? Qu'est-ce que je t'ai dit? Que Gringa va donner aussi à la reine galloise quelque chose. Tu as dit que quoi? Parce qu'elle a cotisé pour toi, tu es obligé aussi d'aller. Je peux sortir les voix. Tu nies, je sors les voix de ça. Gringa, tu nies, je sors les voix de ça. Tu as dit que parce qu'elle a cotisé pour moi, il faut que j'ai cotisé pour elle aussi. Love Queen, la tête à vous, Love Queen, elle est au courant parce que je n'ai pas appelé. Angette est au courant parce que je n'ai pas appelé. La belle Samé est au courant parce que je n'ai pas appelé. Les trois, pour leur dire que bon, ça ne veut pas aller donner quelque chose à la reine galloise comme elle est au Cameroun. Si elles sont honnêtes, je dis bien la belle Samé. Love Queen et Angèle, je les rappelle les trois. Pour dire qu'il faut, pourquoi ma pépé, je lui demande d'aller donner à la reine galloise quelque chose. Elle dit que parce qu'elle m'a donné que je suis obligé aussi. Si je vous dis ce qui l'a motivé, je ne sais pas. Mais moi, je t'ai énervé. Parce que je trouvais ça injuste. Que la reine galloise va me donner mon sac de riz, c'est pas grave. Mais je ne peux pas vous dire
ce qui l'avait motivé à lui donner le sac de riz. Parce qu'il dit que, parce que comme la reine Galoise a cotisé pour elle, est-ce qu'elle est obligée? J'appelle les trois personnes là. Comme je vous dis là, elles sont encore vivantes. Est-ce qu'elle nie? On sort les appels. Est-ce que le téléphone manque? Dana, est-ce que le téléphone manque? Merci Marlène, Ndo, pour tes cœurs. Le téléphone ne manque pas. Les têtes sont là. Quand vous allez s'asseoir, vouloir dégrader la reine Galoise et vouloir favoriser Dringa. Merci Dieu, pour tes cœurs. On tout la Russie, la reine Galoise. La comment? Maman Grolo, grand-mère Grolo, m'a donné 5 000. Moi, je suis pris dans les clashs. Je vais écouter ma tête cassée. Hein, parce que ma tête cassée ne veut plus que je clash. Parce que vous savez, moi, je l'ai tout dit. Hein. Je ne parle plus aux gens qui n'ont pas de carnet d'adresse. C'est ce qu'elle avait aussi dit pour Madame Le Sam. Merci. Autant Madame Le Sam avait donné 500 euros. Hein. La Tana, la star Le Sam, le couple Le Sam avait donné 500 euros pour ce qui vient de se passer là. Et ils ont toujours donné à Grenga leur participation. Donc, elle vient, elle rentre finalement dans les gens, le vent qui a gonflé, les harpes sont versées dedans. C'est que le pipi maintenant qui reste maintenant que ça va couler. Oui. Maté Cassé, merci pour votre confiance. Maté Cassé, je vous aime. Maté Cassé, merci pour votre soutien. Mais là, maintenant, tu vas lui dire la tête cassée. Hé, hey, Blengao, quand tu laves la tête cassée, maman. Mais parce qu'elle ne te donne pas le lait. La tête cassée ne te donne pas le lait aussi. Hein. Regarde, je suis parti chez Lisa Lakoudou. Lisa Lakoudou, je suis parti dans sa page. Il n'y a pas de fleurs dedans. Hein. Mais partage pour les clashs et mettre dedans. Elle partage Boumkena. Tap tap Mimbang. Elle partage la publicité de Tap Tap Mimbang de Boumkena. Mais ta soirée, Elisa Koudou, ne partage pas ça dans sa page. Tu veux qu'on regarde? On y va. Mais les abeilles qui sont ici, les abeilles, vous qui êtes là, si je mens, venez me dire que je mens. Qui a, Mafoflor, qui a commencé à donner l'argent à Grenga? Ce n'est pas Mafo, vous vous souvenez? Mafo va envoyer 250 euros à Gagou la première fois. Qui se souvient? Qui se souvient? Parce que la tête où vous vous asseyez pour insulter Mafo, pour dire que Mafo, elle est ceci, elle est cela. Elle veut commencer à donner l'argent à Gagou. C'était pas Mafo. Il y a longtemps, quand vous êtes concilié, elle va envoyer 250 euros. Si je mens, les abeilles, venez me dire que je mens. Si je mens, venez me dire que je mens. Le premier argent que Mafo en direct, 250, tu as reçu, regarde, tu as reçu. C'est qui est en train de vérifier ça? Ce n'est pas moi de l'homme. Ce n'est pas moi de l'homme. C'est ça que ça arrivé. Tu as dit à Mafo que oui, ça arrivé. Tu te fais passer pour, je n'insulte plus Tata Guylaine. Oui, Guylaine, je te laisse le clash. Je te donne le chapeau. Elle a dit quoi? C'est quoi le clash? Je te laisse. J'aurais peut-être le pouvoir de réponse. Moi qui étais à côté de toi, c'est parce que tu es malhonnête et hypocrite. Quand j'étais à côté de toi, je te disais que le jour que ça va tcham entre Mafo et toi, ses abeilles vont citer tout ce qu'elle a fait pour toi. Hein. Mais toi, tu as fait quoi pour elle? Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Tu l'as fait quoi? Si on balance entre Mafo et toi, tu n'as pas donné grand-chose. Finalement, qui était vrai dans l'histoire? Qui était vrai? Quand je vois cette Lisette à coups de flyer là, vient s'asseoir. Parce qu'elle, elle voulait se clasher depuis. Lisette à coups de voulait se clasher depuis. Parce qu'elle n'a jamais cessé d'appeler Flore Kolongoui. Elle n'a jamais caché. D'où tu m'avais demandé que bloque ces trois personnes là. Tu m'avais dit bloque Lisette à coups, bloque Joséphine Nagrande, bloque Tania Mourou. Les trois là, tu as dit que bloque-les sur ma page. Comme ils ne veulent pas la paix avec ma faute, bloque-les. Chose que je n'ai jamais faite. Sinon, elle n'a même plus voir ta page. Et c'est moi qui débloquais tout le monde. J'ai fait deux jours pour débloquer tous les abeilles quand tu t'avais recommencé. Tu connais ce que c'est? De débloquer quelqu'un. Tu peux débloquer quelqu'un. Tu ne peux pas débloquer quelqu'un. Dès qu'on t'envoie la capture, tu m'envoies, je débloque. On t'envoie, tu m'envoies, je débloque. Tu m'as payé combien pour tout ça là? Quand je vois les gens qui viennent s'égarer ici là, qui viennent s'égarer dans mes directs, qui viennent s'égarer dans mes posts, je vous bloque sans état d'âme. Vous voyez ça? Voilà. Avec quoi ils ont fait cette soirée là, vous avez? Il faut bien payer le carburant jusqu'à Paris. Les complets là, il faut bien s'acheter tous ces vêtements là. Nous, si on connaît quand on a Cameroun, on est foiré. Demain, tu dis quoi? Quand tu es allé encaisser à garder l'argent, c'est l'argent qu'elle a blessé avant de descendre au Cameroun. Ma soeur, de toute façon, moi, je m'entends que parmi tout ça, il n'y a même pas de comparaison à faire. Parce que ça, c'est le jour. Il n'y a pas de jour et la nuit. Ils ne font pas la même chose. C'est le jour et la nuit, c'est pas la même chose. La reine Galoise, elle est handicapée, elle est faite dans le normal. Et puis, même si c'était la même chose, le problème, c'est que la reine Galoise se bat d'abord de son côté. C'est ça, c'est ça la meilleure. Je ne sais pas dans quel contexte j'avais parlé de 50 euros là. À cause d'elle, on me crête de tout. Jusqu'à la même dit que j'ai le sida. Tina Carte. À cause d'elle, j'ai le nom d'oiseau. D'où j'ai dit que je ne peux pas la pardonner. Quand elle prenait cette décision là, elle était avec Thierry, son gars, d'où je les envoie les deux. Je ne vais pas les TKO. Parce que quand Gossa décide de faire du sale, elle n'a pas besoin de quelqu'un. Je connais l'individu, je l'ai étudié. Si vous essayez un peu d'imaginer, c'est moi qui répondais à son messenger. Et pour répondre à un messenger, il faut maîtriser le personnage. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Ndolo Moulema. Ah bah, il dit que les réseaux sociaux, écoutez Ndolo Moulema. Sur ce sujet, vous sentez en fait qu'il y a un peu la transparence. Pourquoi? Parce que quand Ndolo Moulema dit carrément qu'elle a les preuves, que si Compressor lui met au défi, qu'elle balance ça.
ça signifie que, mais dans les normes, quand on se dit, dit que les réseaux sociaux sur Ndiangui, tu me donnes, je te donne. Donc, Dolo Moulema, en fait, avait vu que, bon, la reine galloise avait contribué dans la cagnotte de Mara Pépé. Donc, dans les normes, Dolo Moulema, donc, voulait à tout prix que la reine galloise, que Kombosso aussi doit aussi faire un geste, en fait. Mais Kombosso a dit qu'elle n'est pas obligée. Oui. Que ce n'est pas le Ndiangui, ce n'est pas peut-être parce que la reine galloise a contribué dans sa cagnotte, qu'elle aussi elle a contribué, mais c'est ça qu'elle ne comprend pas quand même. Kombosso dit qu'elle est la voix de sang. La reine galloise fait beaucoup plus dans les enfants différents. Par contre, m'a fait peut-être des offres, des veuves. Apparemment, Kombosso, quand Dolo Moulema dit que Kombosso n'a jamais accepté reine galloise, ça signifie que quand j'écoute ça, ça signifie que Kombosso, dès l'instant qu'elle a senti que reine galloise aussi s'est lancée aussi que haut dans le social, Kombosso a donc vu en fait reine galloise comme une concurrente. Elle a vu que reine galloise est venue comme ça pour couper en fait, pour retirer la mangeoire dans sa bouche. Donc ça signifie que elle discutait maintenant entre les donateurs, donc ceux qui donnent beaucoup plus. Donc ça signifie que quand peut-être elle entend peut-être que telle personne a contribué peut-être à la canon de la reine galloise, peut-être Kombosso voit que non. Les gens qui contribuaient peut-être avant chez elle, peut-être maintenant sont versés du côté de la reine galloise. Et peut-être c'est ça que Kombosso n'a jamais digéré. Vous voyez que Facebook, c'est un comptoir, donc c'est un marché. Tout le monde vient présenter sa marchandise. Donc, ça signifie que Kombosso est venu avec son contenu que non. Elle fait dans les œuvres qu'elle vient en aide aux orphelins et aux veuves. Par contre, reine galloise aussi vient que non. Elle fait plus dans les enfants différents. Les gens préfèrent donc juger qu'on regarde entre les deux, on préfère que donc, la veuve, elle au moins, elle peut se débrouiller. Par contre, un enfant différent, c'est pas facile d'abord qu'on l'accepte dans la société, il est rejeté. Donc c'est un peu ça que Kombosso a donc vu que la reine galloise est venue la casser tout. Kombosso déteste la reine galloise, pourquoi? Parce qu'elle voit que la reine galloise a récupéré la majeure partie, ou alors la reine galloise a récupéré ses donateurs. Et concernant Veuve Joyeuse et l'abbé Samé, tout ce que doit dire, c'est que l'abbé Samé, un jour, lui, peut changer. Mais pour Veuve Joyeuse, c'est pas facile que Veuve Joyeuse change. Pourquoi? Parce que elle, déjà, c'est maman à zéro paix. C'est une personne, en fait, que quand elle voit que les gens sont à gauche, elle n'est pas à droite. Ses gens sont comme ça. Donc,